les amis, c'est Maxime Mingdou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Donc, on est en compagnie de trois personnes. Enfin, c'est pas des personnes, mais bon. De trois poules. Donc là, on va vers le poulailler. Donc, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de tous les trucs. Désolé si vous devez tourner votre appareil. Donc, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut pour les poules, etc. Donc, je vais vous présenter le poulailler que vous avez déjà vu sur une autre vidéo. Regardez, ça très bien où elle est l'entrée. Hop, l'autre, ils vont nous rejoindre après. Donc voilà, donc là on est à l'intérieur du poulailler, donc c'est là où ils vont être la plupart de leur journée. C'est là où ils vont être nourris, là où ils vont pondre, etc. Donc nous on a mis un truc en hauteur pour qu'ils puissent manger en hauteur pour pas que les rats, parce que si vous avez des poules, il y aura sûrement des rats. Donc voilà, donc on a mis des bacs avec... Il y a plein de flotte dessus, donc c'est pour ça. Donc avec de la nourriture. Donc c'est du blé et des autres graines. Donc là après ça du pain, mais il est dans des... Dans du plastique, donc vous allez arrêter de me pourrir ma vidéo là. Eh, chut. Donc là c'est de l'eau avec du pain dedans pour que le pain soit mou. Donc là il faut une réserve d'eau pour pas que vous ayez à prendre de l'eau du robinet. Donc là ça coule un peu, mais bon, tant pis. Donc il leur faut un nid. Donc si vous avez des... Si vous habitez près de la forêt là comme ici, eh ben il vous faut un truc pour les enfermer. Donc voilà, le soir dès qu'ils seront rentrés, hop, vous refermez la porte, comme ça au moins c'est clair. Ils pourront... Enfin, il n'y a aucune bête, aucune fouine, etc. qui pourra venir vous bouffer vos poules. Parce que nous ça nous est déjà arrivé. Et donc voilà. Donc là, c'est le pondoir. Attention les oreilles. Normalement ça grince un peu, mais bon. Donc là on a deux œufs, donc un ici, un là-bas. Donc on va les récupérer. Donc là, hop, ça se referme sur moi. Hop. Au moins on a deux œufs. Ils sont où les poules? Ils m'observent en train de prendre leurs œufs parce que... Attention, ils croient que je vais leur donner à manger, mais non. Oh punaise, j'allais tomber. Donc là, les plaques là, c'est pour marcher dessus pour pas se salir les chaussures. Donc là, c'est des réserves de paille et tout ça. Voilà, là c'est le terrain. Là, je sais pas c'est trop ce qu'il y a dedans parce que c'est chez mes grands-parents, donc j'en sais rien. Donc voilà les petites popoles. Donc il faut, si vous avez un coq. Et ben il faut minimum 5 poules. 5 poules pour un coq. Voilà, donc peut-être que nous, bah, quand je vais rentrer à la maison, enfin chez moi, je vais faire une vidéo sur les poules si vous voulez. Et j'ai deux oies, trois oies maintenant, donc un mâle et deux femelles. Donc si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo dessus. Regardez, je vais vous montrer ce qu'il y a. C'est rien, donc il y a mise au point, il y a du maïs ici là. Il y a des autres graines, je ne sais pas trop ce que c'est. Et la pelle, c'est pour leur mettre à manger, donc on prend comme ça. Bien sûr, c'est une pelle pleine normalement, mais. Et regardez ce qu'on va faire. Alors. Allez, t'inquiète pas, c'est pas parce que j'ai mon téléphone que. Mais attendez, moi j'ai les œufs dans ma poche. La blanche elle est un peu méchante, mais bon. Ouais, elle s'embrasse. Bon, je vais essayer l'autre là. Ça fait absolument pas mal, hein. Allez, mange! Tais-toi et mange. Bon, bah tant pis.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si ça vous, si vous avez aimé cette vidéo. Allez, salut.